C'est quoi? C'est la troisième, va vous surprendre. Donc il faut tout envoyer à ce moment-là, un peu après aussi. Pape Diouf est un des plus grands présidents de l'Olympique de Marseille parce que pour son premier mercato, il a dû partir de quasi rien et il a su monter une équipe. Il a fait venir 4-5 joueurs gratuits, pas des moindres. Il est allé chercher Wilson Oruma en fin de contrat, qui était super bon la première saison. Franck Ribéry, qui n'était pas payé depuis 3 mois à Galatasaray, qui hop, a pu venir gratuitement. Sabri Lamouchi, qui était quand même à l'Inter de Milan, pareil, qui peut faire venir gratuitement. André Luiz, un défenseur brésilien rugueux de Benfica, qui a fait le taf pour un joueur prêté. Et puis, bah, il a vendu Benoît Pedretti, qui était en bout de course à Marseille. Pourquoi ? Pour récupérer. Il a pris le chèque de Lyon et il a donné directement à Strasbourg pour récupérer Mamadou Niang. Voilà, grand attaquant. Là aussi, hein, et bah, grand attaquant. On n'y pensait pas forcément sur le moment. Derrière, il met 100 buts à l'Olympique de Marseille. Pape Diouf est un des plus grands présidents de l'Olympique de Marseille car il est capable d'aller chercher un joueur au Paris Saint-Germain au plus fort de la rivalité entre les deux clubs. Paris ne voulait plus en vendre et puis la direction, Jean-Michel Moutier, le directeur sportif parisien, dira « J'ai jamais vu un joueur aussi déterminé pour quitter le club. » Loric Sana était formé au Paris Saint-Germain mais Diouf est allé le chercher là-bas et puis deux mois après, bah, il marque en OM-PSG, il embrasse le maillot de l'OM, il a totalement oublié le Paris Saint-Germain. Très joli coup de Diouf. Pape Diouf est un des plus grands présidents de l'OM parce qu'il savait parler à tout le monde, à Marseille, les journalistes, les supporters, les gens qui croisaient dans son quartier. Même quand ça allait bien, il savait être disponible et glisser un petit mot sympa, une attention à tout le monde, se rappeler des prénoms de tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben parce que ça sert aussi dans les périodes un peu de trouble avec Jean Fernandez, première saison, ils sont derniers du championnat après 6 journées. Voilà, patience, calme, tout le monde est derrière l'équipe parce que Diouf a fait le travail nécessaire en amont qui fait que les gens comprennent et les gens sont patients. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'histoire de l'OM parce qu'il a fait respecter le droit des supporters. Tout simplement, les supporters voulaient à la base cette grève, cette fameuse match des minots qui joue au Parc des Princes, le PSG Olympique de Marseille. Ça résulte tout simplement d'un quota de places non attribué aux supporters de l'OM divisé par deux par la préfecture. Et pour s'insurger de tout ça, Diouf ira au bout. Alors là, maintenant, une fois qu'un 0-0, c'est facile et on se dit « bah oui, un autre président aurait pu le faire ». Sauf que prendre le risque de se mettre une rouste 8-0 sur un PSG-OM, ça pouvait lui coûter son poste et pourtant il a pris le risque. Bravo. Pape Diouf est un des plus grands présidents de l'histoire de l'OM parce qu'il a su tenir tête à Lyon pour Franck Ribéry après le Mondial 2006. Le joueur de l'OM annonce même au journal de 20h qu'il veut rejoindre l'écurie de Jean-Michel Aulas. Diouf en fait une affaire de principe, il ne cédera pas et c'est là. C'est une des rares fois où on a vu un club au-dessus d'un joueur parce que s'il fallait faire une saison en CFA, il aurait fait une saison en CFA, l'ami Francky. Diouf a su avoir la main de fer dans ce dossier-là. L'institution était au-dessus, c'était essentiel. Pape Diouf est un des plus grands présidents de l'histoire de l'OM parce qu'il a su, au final, attirer des joueurs pour qui l'OM était le sommet dans leur carrière. Les Pagis, les Maoulida, les Niang, les Loric Sana. C'est des joueurs qui savaient, qui étaient conscients qu'ils n'allaient pas connaître plus forte émotion que l'Olympique de Marseille. Marseille, ce n'était pas un club français tremplin pour aller en Angleterre. Pour eux, c'était le sommet de leur carrière et ça permettait aussi aux supporters de se reconnaître dans cette équipe. C'est ce que Diouf cherchait. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'histoire de l'OM parce qu'il ne se laissait pas avoir par des formules. Pour lui, ce n'était pas un projet et c'était encore moins un projet copié sur un autre club, le modèle d'un autre club à l'étranger, comme en Allemagne, par exemple. Lui, il savait très bien que le football, c'était des projets, plusieurs projets qu'on pouvait mettre dans une même équipe et qu'il fallait mettre dans une même équipe des jeunes pépites, mais aussi des joueurs expérimentés qui allaient apporter des résultats de suite, des joueurs à relancer, des joueurs des paris de Ligue 1 ignorés qui avaient plusieurs profils et que c'était l'alchimie de tout ça qui allait faire une équipe. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'histoire de l'Olympique de Marseille parce qu'il avait compris que l'essentiel aussi, c'était de contrôler la masse salariale. Et oui, beaucoup de ses successeurs l'ont oublié, mais ça se joue essentiellement là. Il faut savoir tenir tête des fois aux joueurs, il faut savoir leur dire
Non. Rappel, par exemple, d'un Benoît Chéroux ou d'un Laurent Bonnard qui, après deux saisons, était allé dans son bureau pour négocier des augmentations. Il leur avait dit tout simplement, Alain, au premier, il lui avait dit, ça justifie le fait que je t'ai fait un très beau contrat comme ça, tu vas le garder, il n'y a pas de raison. Et au second, il lui a dit, écoute, mon garçon, c'est très bien, mais tu joues à un poste où on peut trouver plein de joueurs aussi bons que toi, donc il n'y a pas de raison de te mettre un salaire à trois chiffres. Je suis désolé, la suite lui a plutôt donné raison, enfin, plutôt par exemple pour Chéroux, dès qu'il y a eu un changement de président, il est allé négocier, il a obtenu sa revalorisation salariale, comme quoi, avec Diouf, ça ne passait pas. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'Olympique de Marseille parce qu'il a fait de l'OM un grand club. Et un grand club, c'est un club qui sait vendre tout simplement. Avec lui, les joueurs partent au bon moment. Voilà, que ce soit Samir Nasri, après 4 saisons en tant que mino au club, c'est trop bien. Franck Ribéry, après 2 saisons. Avec lui, il n'y avait pas de rengaine, de Marseille à vie. Il faut le prolonger, il faut que ça soit le Totti de l'OM. Non, non, il sait qu'un joueur, au bout d'un moment, et voilà, il a fait le tour de la question et il faut savoir en tirer le meilleur prix plutôt que de lui donner un énorme salaire qui le rende de suite, ensuite invendable. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'Olympique de Marseille parce qu'il avait toujours un coup d'avance en ce qui concerne les entraîneurs. Avec lui, il n'y a pas un coach qui a fait 3 saisons. Et la fameuse saison de trop, celle où ça s'effrite, où le vestiaire en a marre du discours. Non, non. Avec lui, dès qu'un entraîneur ne va plus, eh ben, on change. Et puis si c'est l'entraîneur qui veut partir, c'est pas grave. On a des solutions de repli. Qui avait pensé avant lui à Philippe Troussier, qui avait été une bonne pioche au début, et puis il a vite su s'en séparer. Qui avait pensé avant lui à Éric Guéret? Et puis, quand Guéret s'en va, ben, derrière, il a la solution Didier Deschamps quand même. Pas rien. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'histoire de l'Olympique de Marseille aussi parce qu'il savait critiquer ses joueurs, il savait user de ce rôle-là, de mettre un peu la pression et puis ces joueurs-là savaient bien le prendre et se disaient pas qu'est-ce qu'il veut lui, qui est-il pour me faire de telles critiques, même les plus virulents comme Samir Nasri ou Djibril Cissé encaissés sans broncher, vous vous rappelez sûrement des insultes qui leur avaient été affublées. Pape Diouf était un des plus grands présidents de l'histoire de l'Olympique de Marseille parce qu'il connaît parfaitement le marché des transferts et il sait quoi faire. Quand il y a un jeune international français qui quitte l'Olympique de Marseille comme Samir Nasri, eh ben il sait le remplacer par un autre jeune international français comme Hatem Ben Arfa. Aulas enragera de cette histoire, il essaiera de la traîner en justice, mais non, il avait signé, l'OM a obtenu gain de cause. Et puisqu'on parle de Jean-Michel Aulas, oui, Pape Diouf était aussi un des plus grands présidents de l'histoire de l'OM pour ça, parce qu'il savait entretenir cette rivalité avec Lyon. Et même si l'écart était plus grand, même si Lyon était multiple le champion de France, il savait, par une petite saillie verbale, redonner toute sa fierté au peuple marseillais. Tiens, une anecdote toute bête, Jean-Michel Aulas fait le malin après la victoire de Lyon au Vélodrome l'année du titre raté contre Bordeaux avec Éric Guéret, en expliquant que ben voilà, c'est compliqué d'être champion et que voilà, les déclarations de Marseille les jours avant le match les ont galvanisées. Réponse de Diouf du tac au tac, eh ben écoute, si c'est ça, je t'appellerai avant tes matchs de Coupe d'Europe, on verra, peut-être que ça va t'aider.